Les travaux de 9e G de la francophonie se sont ouverts le vendredi 28 juillet au stade des martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Le go a été donné par la représentante de la secrétaire générale de la francophonie. Plus de 100 000 spectateurs ont participé à cette cérémonie officielle riche en spectacles. Les détails dans ce journal. Les Kinois rencontrés ce samedi dans les rues de Kinshasa saluent la stabilité du taux d'échange observé récemment sur le marché parallèle. Ces derniers invitent également les autorités compétentes à sanctionner les cambistes qui oseront spéculer le taux d'échange. C'est l'heure du journal de l'économie et finances. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. La ville de Kinshasa va accueillir la première édition du Forum économique RDC Angola du 31 juillet au 1er août 2023 qui sera placé sous le thème « Partenariat économique pour une croissance partagée ». L'objectif de ces assises sera de débattre sur les opportunités de construire un partenariat stratégique et mutuellement bénéfique entre les deux pays frères et amis en stimulant avec une exposition des produits et services fabriqués localement de part et d'autre, signalant que cette rencontre va rassembler les décideurs et les opérateurs économiques de deux pays autour des réflexions et analyses sur les potentiels de chaque pays, sur les opportunités d'affaires, les investissements croisés entre les deux pays, les synergies et complémentarités entre les deux économies, les infrastructures transfrontalières et le développement du secteur économique. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a ouvert solennellement la 9e édition de Jeux de la Francophonie le vendredi soir au Stade des Martyrs à Kinshasa. Plus de 100 000 spectateurs ont participé à cette cérémonie riche en spectacles. Plus de détails dans ce commentaire de Claude Kongou. Dans son allocution, le président de la République a placé ses jeux sous les symboles, entre autres du vouloir collectif de la solidarité des francophones avec les Congolais victimes d'agressions et du pillage de leurs richesses, ainsi que de l'attachement de la RDC aux valeurs de la francophonie. Le chef de l'État a relevé le contexte difficile de l'organisation de cet événement marqué par la COVID-19 et la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais toutes les conditions ont été réunies ici, a-t-il dit dans ses stades. Archikombe est revêtu de sa plus belle robe pour cette grande fête, à la fois sportive et culturelle. Évoquant à ces sujets toutes les contraintes qui ont émaillé la préparation de ces jeux, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères a loué les efforts inlassables du président Tshisekedi qui régulièrement visitait les sites devant abriter ces jeux pour se rassurer de la qualité des infrastructures qui étaient construites et de la réussite de ces grands rendez-vous. Votre détermination et votre engagement personnel ont permis de réaliser en 2 ans ces ouvrages modernes en faveur de la jeunesse, a indiqué Christophe Lutundula. Vous avez pris l'engagement de sauver ces jeux et vous l'avez honoré. Cette fête est une réalité palpable, a-t-il poursuivi. Au cours de cet événement de portée internationale qui prendra fin le 6 août prochain, des jeunes talents de 18 à 35 ans vont concourir dans exactement 11 disciplines artistiques et 9 compétitions sportives, ainsi qu'une discipline en animation périphérie, Nzango. Ces jeux sont bien plus qu'une compétition, c'est une expression de notre humanité partagée, les reflets de nos valeurs universelles, a expliqué dans son discours Caroline Saint-Hilaire, administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie. Sur un total de 88 pays membres, la grande majorité a répondu présent à l'appel de la RDC, le plus grand pays francophone au monde après la France. Il faut remonter à plus de 40 ans à l'occasion de l'organisation du combat de boxe entre Mohamed Ali et George Foreman pour retrouver un événement de telle envergure qui attire des projecteurs sur la République démocratique du Congo. Ouvert officiellement ce vendredi au Stade des Martyrs, le 9e jeu de la francophonie a connu une grande réussite selon les témoignages de quelques Kinois rencontrés ce samedi. Ils demandent pour autant aux autorités de s'impliquer de la même manière pour tous les autres aspects de la vie sociale en RDC. Un reportage de Claude Kongou et Ruben Manata. Les Kinois ont exprimé leur satisfaction après le spectacle du Stade des Martyrs à l'occasion du 9e jeu de la francophonie, 40 ans après les combats du siècle de Mohamed Ali et George Foreman. Les Congolais sont émus de vivre en République démocratique du Congo, ce genre d'événements riches en couleurs. Ils ont par la même occasion jeté des fleurs à l'endroit du président de la République pour son implication personnelle et exigé plus d'attention pour d'autres secteurs. S'appelle Makassi. Donc, président Fatih. C'est avec une grande satisfaction que nous accueillons sur le sol congolais l'organisation de ces 9e Jeux de la francophonie. Nous saluons les efforts entrepris par le chef de l'État. Ces Jeux nous rappellent les combats du siècle organisés à la belle époque.
Ces jeux constituent une occasion d'offrir à nos enfants de très bons moments de distraction. Cela est également une fierté pour notre pays. Toutes les dépenses qui ont été engagées pour son organisation sont bénéfiques à l'État congolais. On n'y voit pas les contraintes. Grâce à l'organisation de ces jeux, le stade de Martyrs s'est revêtu de sa plus belle tunique. Cela ne peut que nous réjouir. Nous remercions de prime abord le président de la République et les membres du comité d'organisation de ces Jeux pour nous avoir offert une cérémonie d'ouverture riche en couleurs. Que cet événement de portée internationale organisé dans notre pays ne soit pas le dernier. Nous appelons les autorités de nous en offrir d'autres, encore plus spectaculaires et rentables pour nos activités sous divers aspects. Dans d'autres sites devant abriter ces Jeux, l'on constate que les travaux sont inachevés. Au président de la République d'interpeller à la fin de ces Jeux ses organisateurs. Ces Jeux qui ont été officiellement ouverts ce vendredi 28 juillet par le président de la République vont se clôturer le 6 août prochain. Nommé le 8 juillet dernier par ordonnance présidentielle, respectivement comme président du conseil d'administration et directeur général du guichet unique de délivrance des permis de construire, Nanou Mukawa et Kennedy et Mukendi ont tenu leur première réunion du conseil d'administration le vendredi 28 juillet 2023 à Sultani Hotel, dans la commune de la Gombe, objet état de lieu de GUPEC depuis sa création jusqu'à ce jour. Jonathan Bakile et Pichunzita nous en disent plus. Cette première réunion du conseil d'administration qui s'est déroulée en présence des différents membres de l'institution, notamment la présidente du conseil d'administration et le directeur général, ainsi que les administrateurs, s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de l'état de lieu du guichet unique de délivrance de permis de construire depuis sa création jusqu'à ces jours. La mobilisation et la maximisation de recettes, le combat contre les constructions anarchiques et contre les antivaleurs, le travail avec sérénité ont été soulignés. La PCA, Nanou Mukawa, revient sur les missions de cette institution et promet les succès et la réussite. La mission de GUPEC, c'est bien définie par la loi, c'est la délivrance des permis de construire. Et de là, nous sous-entendons élaguer tous les désordres que nous constatons dans la cité, oui, par rapport à la construction. Et là, nous sous-entendons également répondre à l'exigence de l'harmonisation. C'est ça la base de la création également du GUPEC. C'est le succès et que GUPEC arrive à exercer réellement sa mission pour répondre à la volonté de l'autorité publique. Rappelons que le président Félix-Antoine Tshisekedi a nommé, le 8 juillet de l'année en cours, les nouveaux animateurs de certains établissements et entreprises publiques dans le GUPEC. Poursuivons ce journal avec cette information, les travaux de la commission paritaire gouvernement banc syndical de l'enseignement primaire, secondaire et technique, ouvert depuis le jeudi 20 juillet à Kisantu dans la province du Congo central, se sont clôturés le jeudi dernier, sanctionnés par un communiqué signé conjointement par les deux parties prenantes. Ce communiqué contient divers engagements pris par les deux parties. Commentaire. Ouverte une semaine plus tôt sur une note tendue, du moins du côté des bancs syndicales, qui réclamaient la matérialisation des engagements pris par le gouvernement, ces assises, des mots à trois se sont clôturés par une note de satisfaction. Les bancs syndicales ont accepté de veiller au respect du calendrier scolaire pour une prochaine rentrée scolaire apaisée. En contrepartie, le gouvernement s'est engagé à honorer ses promesses de la paix du mois de juillet de cette année. Ces engagements concernent notamment la mécanisation de 13 058 nouvelles unités, la correction de salaire et prime des enseignants, la mécanisation de frais de fonctionnement des écoles primaires et bureaux gestionnaires, la correction des structures des écoles primaires, les réajustements de la prime, des gratuités et les paiements des inspecteurs et agents, d'un point de l'inspection générale de l'EPST, le réajustement de la prime des gratuités et le paiement des inspecteurs et agents d'un point de l'inspection générale de l'EPST. L'enveloppe totale devant couvrir toutes ces actions prioritaires s'élève à 24 milliards de francs congolais. Prenant la parole, le porte-parole de l'intersyndicale des enseignants de l'EPST a réitéré la détermination des syndicalistes à soutenir l'année scolaire prochaine qui sera lancée dans moins de 2 mois. À son tour, la vice-ministre de l'EPST, Aminata Namasia, qui a représenté le ministre Tony Mwabakazadi, a exprimé sa satisfaction face à la réponse positive de l'exécution nationale aux différentes préoccupations de syndicalistes et a mis un accent particulier sur le sens du patriotisme. Pour rappel, ce protocole d'accord de Bibwa a été signé entre les deux parties prenantes le 21 novembre 2021.
Dans un communiqué publié récemment par le comité multisectoriel de la lutte contre la COVID-19 et acté par le Conseil des ministres du 14 juillet dernier, il est noté la levée du dispositif anti-coronavirus dans tous les postes frontaliers par la République démocratique du Congo. La population interrogée ce samedi 29 juillet sur la question s'est montrée très enthousiaste face à cette mesure qui lui permet entre autres de vaguer librement à ses occupations sans trop de restrictions. Regardez. Parmi les mesures restrictives prises pour éviter la propagation du COVID-19, figurait également la nécessité de se faire vacciner avant tout déplacement, tant à l'étranger que dans le Congo profond. Ainsi, la levée de cette mesure a été positivement accueillie par la population. La levée de cette mesure nous obligeant à nous faire vacciner avant tout déplacement à l'intérieur du pays, tout comme à l'étranger, nous enchante énormément. Car on n'a jamais de notre plein gré soutenu cette mesure. C'est pour cette raison que je me réjouis personnellement d'apprendre la levée de la dite mesure. Ce qui ne peut pas seulement me réjouir seul, mais toute la population congolaise. Ça n'était de trop de payer à tout bout de champ des sommes quasiment exorbitantes avant tout déplacement à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. C'était contraignant pour la population et ça ne lui bénéficiait pas. Rappelons que cette décision, prise par les comités multisectoriels de lutte contre la COVID-19 en République démocratique du Congo, a été actée au cours de la 104e réunion du Conseil des ministres. Depuis l'instabilité du taux d'échange de la devise nationale, il s'est récemment observé sur le marché d'échange une stabilité de cette devise. Suite à cette situation, quelques Kinois interrogés ce samedi 29 juillet ont apprécié les efforts du gouvernement. Cependant, ils demandent aux autorités de sanctionner tous les cambistes qui risqueront à spéculer le taux d'échange. Les détails dans ce commentaire de Philo Chiloba. Le taux de change sur le marché parallèle s'est relativement stabilisé cette semaine, contrairement aux précédentes. Un dollar qui s'est changé à 2600 francs est revenu à 2200 francs congolais. Une appréciation qui fait le bonheur de la population. Par ailleurs, cette dernière appelle les autorités compétentes à militer pour la stabilité des taux, même si ses effets ne sont pas encore visibles dans le panier de la ménagère. Notre plus grande inquiétude, c'est celle justement liée au maintien de ces taux de change sur le marché parallèle. La stabilité de ces taux devrait normalement avoir un impact positif dans le panier de la ménagère. Même si cela n'est pas encore le cas, je demande aux autorités de veiller à la stabilité de ces taux. En tout cas, ce dollar est stable et que ça va bien. Mais normalement, pour stabiliser les dollars équité. Logiquement, l'on ne souhaite que la stabilité du taux de change, grâce à laquelle les prix des biens sur le marché peuvent également se stabiliser. Signalons que selon la note d'information hebdomadaire de la Banque centrale du Congo, le franc congolais s'est apprécié de 2,3% sur le marché parallèle la semaine du 14 au 21 juillet 2023, après sa dépréciation de 3,6% la précédente semaine. Ouverte ce vendredi 28 juillet à Kinshasa, la 9e édition des Jeux de la Francophonie a généré un bon nombre d'activités commerciales qui ont été à ce premier jour moins rentables pour les commerçants qui sont venus œuvrer aux alentours du stade des Martyrs. Approchés par nos reporters, ces commerçants espèrent néanmoins rentabiliser leurs activités dans les jours à venir. Les activités commerciales créées autour du 9e jeu de la francophonie sont à ses premiers jours timides. Du moins, c'est le constat fait aujourd'hui aux alentours du stade de martyrs de la Pentecôte, lieu choisi pour l'ouverture officielle de cette grande cérémonie rassemblant plusieurs pays francophones. L'occasion ici pour quelques commerçants rencontrés d'exprimer leur inquiétude, quand bien même qu'elles gardent espoir. Ici, je suis venu vendre le fagnon. Je le vends à 1000 francs, mais si l'on me propose 500 francs congolais, je peux accepter. Ceci, je le vends à 10 000 francs, mais je peux également accepter 5 000 francs congolais. Nous proposons les articles à divers prix. Le cas de fagnon, on les commerce à 500 francs congolais. C'est écharpe, c'est vend à 10 000 francs. D'autres produits comme le cache-nez, nous les vendons à 500 francs. Le chapeau se vend ici à 5 000 francs congolais. Je peux à la limite accepter 4 000 francs. Malheureusement, depuis notre arrivée, nos articles ne se vendent pas. Je ne puis vendre que deux chapeaux, une écharpe et quelques fagnons. Les activités commerciales autour de ces jeux sont vraiment moroses. Rappelons que ce 9e jeu de la francophonie qui se sont ouverts ce vendredi 28 juillet vont se clôturer le 6 août prochain. Une opportunité pour les commerçants de capitaliser ces moments.
Les vendeuses du marché hindou dans la commune de Massina, dans la partie est de Kinshasa, se plaignent non seulement des prix de leurs marchandises qui ont grimpé, mais surtout de l'insalubrité qui règne et qui expose les acheteurs et vendeurs à des maladies. Elles l'ont dit dans ce reportage de Grace Luyanga, Betty Tanfumo et Joe Manana. Le légume, un aliment indispensable dans la vie d'un être humain car source de vitamines et minéraux essentiels. Ici à Kinshasa, plus précisément dans sa partie est, nous sommes dans la commune de Massina dans le marché hindou. D'après ces vendeuses trouvées sur place, la botte de l'oseille qui s'est vendée à 20 000 francs congolais se vend actuellement à 30 000 francs congolais. Ces vendeuses ne savent plus à quel sens se vouer alors que cette activité est une source de revenus pour leur famille. Les autorités doivent comprendre que nous sommes de veuves et c'est avec ces commerces que nous parvenons à scolariser nos enfants et les loger. La vente qui rume avec l'insalubrité, malgré l'argent qu'ils payent pour le salongo, ces vendeuses se plaignent. Les conditions dans lesquelles nous vendons laissent à désirer. Pourtant, nous payons quotidiennement les frais d'entretien de notre lieu de négoce. Rien ne s'est fait malheureusement. Deux aliments vendus à même le sol, comme d'ailleurs dans plusieurs marchés de Kinshasa, d'où l'appel de ces vendeuses aux autorités. Depuis notre délocalisation de l'ancien site pour notre emplacement ici, nous sommes contraints de vendre à proximité des installations sanitaires. Nous demandons aux autorités de remblayer cet espace afin de nous permettre de bien exécuter nos activités commerciales. Exposant ainsi le consommateur aux maladies de mains sales comme le choléra, alors que le gouvernement s'ébat pour l'éradiquer dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, je vous rappelle les titres. Les travaux de 9e jeu de la francophonie se sont ouverts le vendredi 28 juillet au stade des martyrs de la Pentecôte. Le go a été donné par la représentante de la secrétaire générale de la francophonie. Plus de 10 000 spectateurs ont participé à cette cérémonie officielle riche en spectacles. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et puis les Kinois rencontrés ce samedi dans les rues de Kinshasa saluent la stabilité du taux d'échange observé récemment sur le marché parallèle. Ces derniers invitent également les autorités compétentes à sanctionner les cambistes qui oseront spéculer le taux d'échange. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie de nos programmes. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minière, pétrolière et environnementale. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale, Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.